En manchette aujourd'hui, impôts, Revenu Québec sera tolérant avec les retardataires et un don historique pour le Festival de la Naudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre aujourd'hui qui vous souhaite un bon bulletin. On débute donc plutôt par rapport au maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Jean-Luc Barthe. En effet, plutôt aujourd'hui, nous nous sommes entretenus avec M. Barthe, le maire de Saint-Ignace de Loyola. Nous avons notamment abordé le sujet de sa rencontre du 25 mars dernier, rencontre avec la ministre André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, une rencontre qui touchait la ZIS, soit la zone d'intervention spéciale, un dossier chaud à Saint-Ignace. On écoute M. le maire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ici Chloé Lamont en compagnie de Jean-Luc Barthe, qui est maire de Saint-Ignace de Loyola. Donc, bonjour. Bonjour, Madame Lamont. Vous allez bien? Très bien, vous? Oui, merci. Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler un peu de la rencontre que vous avez eue le 25 mars dernier avec la ministre André Laforêt concernant la ZIS. Donc, d'abord, pouvez-vous nous remettre un peu en contexte pourquoi vous avez eu cette rencontre-là? J'ai demandé une rencontre avec Mme Laforêt, pour, surtout pour les chalets, l'aspect de la Saint-Pierre au complet, mais aussi c'est pour les chalets non reliés à la terre, sur le pilotis, et aussi pour les maisons permanentes qu'on a ici dans Saint-Pierre, Sainte-Marie, puis dans Saint-Isidore, parce qu'il y a des parties qui sont comprises dans l'IS, puis c'est des permanents qui sont là. Mais dans son règlement qu'elle a fait en 2019, dans l'IS, elle dit dedans que si une personne, si un chalet ou une maison passe au feu, il pouvait se construire selon avec les droits acquis qu'il y avait. OK. Et quand on descend plus bas, il y a un article, je ne me souviens plus le numéro, là, qui dit ben, que si c'est dans le littoral, ils ne peuvent pas. Donc là, c'est à partir de là que j'ai fait des démarches avec le comité qu'on avait créé, avec le maire de Sorel, de Saint-Anne de Sorel, M. Péloquin, M. Sylvestre de Saint-Barthélemy, puis trois personnes non élues. Fait que là, j'ai fait des démarches, là, j'ai obtenu 25 ans, une rencontre par Zoom avec la ministre. Puis il y avait la ministre qui était là, M. Lambert, son adjoint. Il y avait Mme Laporte, Mme Noël, M. Saint-Louis, M. Lapierre, qui font partie du bureau de Mme Proulx. Il y avait moi-même, il y avait M. Péloquin et M. Sylvestre. J'ai été accompagné de trois ou quatre de mes conseillers. Okay. Le but de la rencontre, c'était que je demandais à vu que dans le règlement qu'ils sont en train de faire, ils veulent faire un règlement transitoire avant de faire le règlement final. Mais on va le faire par zone, c'est-à-dire par région. Parce qu'il n'y a pas. Ça, je suis content d'avoir appris ça, parce que par région, c'est que on n'a pas toutes les mêmes demandes à faire. Vous savez, des chalets bâtis sous pilotis là, dans le Québec, là. Il y en a peut-être ailleurs, mais c'est minime à comparer à ce qu'on a ici. C'était un petit peu ce débat-là qu'on a fait. Puis en même temps, moi, j'ai regardé dans son fond ce que le rapport qu'elle avait fait. Elle parle souvent dedans, surtout la loi centenaire. Elle parle souvent qu'elle parle de l'humain. Elle veut protéger l'humain, tout ça. Mais dans les îles ici, là, ils vont là l'été. Puis l'hiver, quand ils vont, c'est pour l'entretien un petit peu, puis ils viennent par la tête. Pour nous autres, personnellement, c'est pas des habitations qui sont là permanentes. Ils n'habitent pas là permanentes. Fait que donc, le danger est moindre que quand tu résides dans une maison permanente. Et là, ça, elle l'a compris. Et là, on a demandé que, vu qu'ils ont des droits acquis, d'enlever les choses du littoral, parce que nous autres, on a un dossier complet quoi, de tous les chalets dans les îles. Vous le dites, là, on a toute la grandeur qu'ils ont. Puis, ça veut dire que nous, ce qu'on a demandé, peut-être, s'il y a quelqu'un qui passe au feu, on lui émet le permis, il va monter son chalet à la même grandeur, la même largeur, la même longueur, puis la même hauteur. Parce qu'on a le dossier complet, on a des photos.
Parce que ça, vous pouvez vous dire qu'après la rencontre, pour les chalets dans les îles, j'ai bon espoir qu'elle va nous donner ça, parce qu'elle a compris que pour les personnes, c'est vraiment pas le danger qui est là. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les maisons permanentes qu'on a dans le Grand Saint-Pierre, Sainte-Marie, Saint-Isidore. Ça m'inquiète un peu parce que c'est vraiment leur demeure personnelle. Mais là, j'attends son règlement qu'on va faire transitoire. Un coup qu'on va l'avoir fait, puis on va regarder s'il y en a. S'il faut, ben, je vais redemander une rencontre avec elle pour essayer de faire travailler des choses, si on n'obtient pas ce qu'on veut. Parfait. Puis ça, ce règlement-là, c'est quand qui va être mis? Dans le bien qui nous a parlé, ça devrait sortir c'est à la fin du printemps. OK, parfait. C'est quand même. Le gouvernement, là, ils ont beaucoup de choses dans cette ici. J'espère qu'elle va sortir parce qu'elle veut qu'avant à fin 2021, début 2022, que sa loi soit faite sur la liste. OK, parfait. Parfait, merci beaucoup. Oui. Donc, ça, c'était pour la rencontre. Je ne sais pas s'il y avait autre chose à ajouter. Là. Vous avez justement parlé un peu de comment ça s'est déroulé, c'est quoi la suite. Alors, la suite, moi, j'ai demandé à M. Lambert ou à M. Saint-Louis du bureau de Mme Proulx, au moment qu'il va y avoir des changements, bien, on a des choses qui vont être apportées, de m'en faire part le plus vite possible, okay, pour que je puisse vérifier que s'il y en a. Puis, si jamais, bien, si on obtient qu'on veut, et qu'ils nous le disent pour qu'on puisse. Parce que nous autres, si on a un chalet qui n'a pas sauvé, puis la dame, elle attend depuis ce temps-là. Depuis plus qu'un an qu'elle attend, elle voudrait qu'on vienne son permis, mais d'après le décret de l'ASIS, ben, on ne peut pas y mettre son permis. Mais on lui a dit de ne pas s'inquiéter que si la ministre nous donne raison sur ce point-là, comme quoi que dans les îles, c'est une survie différente qu'ailleurs. Bien, ils sont pas venus, on va les mettre. OK. Parfait. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir, Mme Lamont, puis je vous souhaite une belle journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, bye. Bye. Donc, demain, la suite de cette entrevue avec M. Barthes. Il sera question du rapport d'audit municipal. On rappelle que Saint-Ignace de Loyola a été audité par la Commission municipale du Québec. Plus d'infos ou un résumé de cet audit demain. Revenu Québec et nos impôts. Comme annoncé par le ministre des Finances, Revenu Québec confirme qu'il n'imposera aucune pénalité et aucun intérêt aux citoyens qui produisent leur déclaration de revenus ou qui paient leur solde d'impôt après la date limite légale du 30 avril prochain, mais au plus tard le 31 mai 2021. Donc, il y aura un délai. Cette nouvelle mesure d'assouplissement donc vise à simplifier la vie des Québécois qui sont éprouvés par la crise de la COVID-19. La date limite pour produire la déclaration de revenus et pour payer le solde d'impôt pour l'année d'imposition 2020 demeure le vendredi 30 avril 2021 à 23h59. Cependant, aucune pénalité pour production tardive ne sera appliquée aux citoyens qui ne sont pas en mesure de respecter cette échéance. Aucun intérêt ne sera imposé sur un solde d'impôt 2020 pour la période du 1er au 31 mai 2021. Des pénalités pourront s'appliquer pour une déclaration de revenus transmise après le lundi 31 mai prochain. Des intérêts seront imposés au solde d'impôt impayé le 31 mai, ce à compter du 1er juin, sauf pour les citoyens qui bénéficient d'un congé d'intérêt d'un an parce qu'ils ont reçu des prestations de soutien financier liées à la COVID-19. Cette mesure d'assouplissement répond à la situation sanitaire exceptionnelle qui se poursuit donc au Québec. Elle vise à donner davantage de temps aux Québécois affectés par la crise pour assumer leurs responsabilités fiscales. Jusqu'ici, Revenu Québec constate que les Québécois ont déjà transmis leurs déclarations de revenus en grand nombre. En date du 14 avril, Revenu Québec avait en effet reçu 3 330 000 déclarations de revenus, un rythme semblable à celui des années antérieures. Revenu Québec encourage les Québécois à transmettre leurs déclarations de revenus par voie électronique grâce à ImpôtNet Québec,
Ce service permet aux citoyens de transmettre leur déclaration de revenus en ligne à l'aide d'un logiciel certifié. Les Québécois qui l'utilisent peuvent recevoir le remboursement d'impôts jusqu'à deux fois plus vite. Les citoyens ont tout avantage à produire rapidement leur déclaration de revenus afin d'obtenir les sommes auxquelles ils ont droit. L'an dernier, 60 % des particuliers qui ont transmis une déclaration de revenus ont reçu un remboursement d'impôts. Avant de commencer, Revenu Québec vous propose quelques conseils. Prenez connaissance des principaux changements pour l'année d'imposition 2020. Rassemblez tous les renseignements et les documents nécessaires. On parle numéro d'assurance sociale, relevé, pièce justificative, avis de cotisation de l'année précédente, etc. Pour recevoir votre remboursement plus vite, inscrivez-vous au dépôt direct et assurez-vous que vos coordonnées bancaires sont à jour en consultant l'espace sécurisé « Mon dossier ». Obtenez des réponses aux questions les plus fréquentes grâce au micro-site. Ce lien ouvrira un nouvel onglet à l'intention des citoyens récemment lancé par Revenu Québec. Vous pouvez également consulter la foire aux questions pour les citoyens. Transmettre votre déclaration à temps pour éviter les pénalités. Voilà qui est important. Bref, renseignez-vous sur le service d'aide en impôts, programme de bénévoles, qui pourrait vous permettre de bénéficier du soutien nécessaire pour obtenir des sommes auxquelles vous avez droit. Une fois de plus, cette année, les services du programme peuvent être offerts par vidéoconférence ou par téléphone, ou encore au moyen d'un système d'enveloppe adapté aux mesures sanitaires en vigueur. Dès le début de la pandémie de la COVID-19, Revenu Québec s'est engagé à faire preuve de souplesse et de compréhension à l'égard des citoyens et des entreprises touchées par la crise. Plusieurs mesures d'assouplissement annoncées l'an dernier ont été reconduites cet automne, comme les citoyens qui ont reçu des prestations d'aide en lien avec la COVID-19, telles que notamment la prestation canadienne d'urgence, la PCU, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, la PCUE, ou encore le programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels, le PIRTE, dont le revenu imposable total est de 75 000 $ et moins, n'auront pas à payer d'intérêt sur leur solde d'impôt 2020 pour une période d'un an. Les citoyens qui recourent au service d'un préparateur qui peuvent apposer une signature électronique au formulaire TP1000TE.TE afin d'autoriser ce dernier à produire une déclaration de revenus en leur nom. Cette mesure contribue à limiter les démarches administratives que l'exigence d'une signature impose à certaines personnes. Revenu Québec accorde à tous les bénéficiaires un délai supplémentaire jusqu'au 30 avril prochain pour renouveler leur demande de versement anticipé du crédit d'impôt pour maintien à domicile. Dans l'intervalle, les versements anticipés sont maintenus. Revenu Québec propose par ailleurs une méthode simplifiée à un taux fixe pour aider les Québécois à déduire les dépenses qu'ils ont engagées en télétravail en raison de la crise liée à la COVID-19. Au moment de produire leur déclaration de revenus, les citoyens peuvent opter pour une déduction fixe de 2 $ par jour de télétravail à domicile jusqu'à un seuil maximum de 400 $ pour l'année 2020. Bref, pour plus de détails, rendez-vous sur le site de Revenu Québec, www.revenuquebec.ca. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Anniversaire en ce 15 avril.
la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jocelyn Miro et à Linda Dufour. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Amélie Rouette. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant du Festival de la Naudière qui a reçu un don historique, soit un édifice. Nous en avons parlé avec son directeur général, Xavier Roy. Que vous avez reçu un don historique. Pouvez-vous d'abord m'expliquer en quoi consiste ce don? Ah, bien ça, c'est effectivement quelque chose qui arrive très rarement dans la vie d'un organisme. On a reçu le don d'un édifice au centre-ville de Joliette pour y aménager le quartier général de la musique dans la région de la Naudière. Okay. Les détails plus précis de ce projet-là vont être annoncés au fur et à mesure qu'on avance dans les prochaines semaines, mais déjà, juste recevoir un édifice en cadeau, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Fait que c'est ça. Comme ça arrive vraiment très rarement, on le qualifie d'historique. Parfait. Puis, bon, concrètement, qu'est-ce que ça va changer d'avoir un édifice? C'est sûr que vous venez de me dire que ça va avancer au fur et à mesure, que peut-être vous ne voulez pas dévoiler trop vite ce que vous voulez faire avec, mais... Bien, en fait, ça va changer beaucoup de choses. Premièrement, le festival, pour l'instant, a ses bureaux en face de l'amphithéâtre Fernand Lézé, qui n'est pas tout à fait au centre-ville de Joliette. Donc là, ce qui est certain, c'est qu'on va aménager nos bureaux dans cet édifice-là. Donc, on se rapproche de la communauté du centre-ville. On est plus présent des autres acteurs de la scène culturelle, mais aussi des gens d'affaires du centre-ville de Joliette. Après ça, le bâtiment est quand même très grand. Là, c'est 11 200 pieds carrés. Donc, il y a une salle de spectacle qui est aménagée présentement dans cet édifice-là. Une salle d'à peu près 80 à 100 places. On entend maintenir. On va sûrement la transformer, mais on souhaite qu'il y ait un espace où on peut accueillir le public, et pas seulement pour des concerts, mais pour toutes sortes d'activités en lien avec la musique. Alors là, ça va se préciser dans les prochaines semaines, mais d'avoir cette porte d'entrée-là sur la musique au centre-ville, ça va être absolument génial. Puis on souhaite vraiment travailler avec les organismes culturels, puis surtout musicaux de la région, parce qu'on sait que la Naudière, c'est super riche en termes de musique. Donc, comment on peut fédérer tout ce milieu-là dans ce bâtiment-là, c'est ce qu'on va explorer les prochaines semaines. Parfait. Puis, est-ce que vous savez pourquoi vous avez reçu ce don-là? Je me suis posé souvent la question parce que c'est un acte de telle générosité que moi, personnellement, je me sens jamais... on dirait que je sens pas que le festival ou que moi, je mérite ça. Parce que c'est tellement exceptionnel. Mm. Par contre, la vision qu'on a présentée au propriétaire, Gérard Deschineaux, c'était justement cette idée de rassembler tout le milieu de la musique, d'en faire vraiment un espace ouvert sur la communauté, puis l'allumer dans le projet. C'est-à-dire, bien, cet édifice-là qui a eu plusieurs fonctions là, au centre-ville, qui a été beaucoup de restaurants, il y a eu une salle de spectacle, qui a même accueilli la radio de Joliette pendant un coup de temps. Cet édifice-là va avoir une vie qui va être, dans le fond, ouverte sur les gens du coin, puis qui va permettre un plus grand rayonnement de la culture, puis un grand impact de la culture aussi dans la région. Parfait. Puis là... La suite de cette entrevue sur nos ondes demain. On parle maintenant de Lavaltrie. La ville de Lavaltrie est fière d'adhérer au Défi Saint-Laurent, un grand projet environnemental initié par Stratégie Saint-Laurent, organisme à but non lucratif regroupant les comités des zones d'intervention prioritaires du Québec, les fameuses ZIP. Le Défi Saint-Laurent est en fait un programme qui vise la réduction de la consommation des produits plastiques afin d'éviter que ces derniers ne se retrouvent sous forme de microplastiques dans nos cours d'eau et qu'ils entraînent ainsi des impacts négatifs sur la faune aquatique.
Les microplastiques proviennent entre autres des fibres de vêtements synthétiques, des sacs à ordures, des pailles et des bouteilles de plastique qui se désintègrent en petits morceaux et qui perdurent très longtemps dans l'environnement. La ville de La Veltrie s'est donc engagée à poser des actions de sensibilisation, de mobilisation et de réduction à la source dans le but de diminuer l'impact environnemental du plastique. On donne quelques exemples. Abolition des bouteilles de plastique à usage unique dans les installations de la ville. Achat d'une unité d'eau mobile d'eau potable qui permet le remplissage des bouteilles d'eau réutilisables lors d'événements. L'organisation d'activités de nettoyage des cours d'eau. La sensibilisation des citoyens aux impacts négatifs des microplastiques. Le maire de La Veltrie, Christian Goulet, mentionne que la ville de La Veltrie accorde une grande importance à la préservation de l'environnement. Nous sommes donc très fiers de nous joindre au défi Saint-Laurent et de montrer l'exemple en posant des gestes concrets pour protéger la faune aquatique. Rappelons-nous que dans cette grande mission collective de protection de l'environnement, chacun d'entre nous est concerné et chaque geste compte. Évidemment, il y a plein de choses que la municipalité compte faire dans les prochaines semaines pour sensibiliser sa population. Plus d'informations donc à cet effet ainsi qu'au sujet du défi Saint-Laurent sont disponibles au site www.strategiesl.qc.ca/saint-laurent. Donc, stratégie.qc.ca. Vous pouvez également contacter Mme Cécilia Mêlé à ceciliamêlé@commercialstrategiesl.qc.ca ou au 418-648-8079. On poursuit maintenant avec quelques informations concernant la COVID, les derniers développements au niveau de la COVID. On parle aujourd'hui le 15, les derniers chiffres qui viennent d'arriver. 490 cas actifs dans la Naudière. C'est 12 de plus qu'hier. On parle de 14 hospitalisations, moins 2. Soins intensifs, 6, c'est 1 de moins. Le nombre de décès demeure à 504 décès. 21 402 personnes sont maintenant rétablies. Par MRC maintenant, on a dit que c'était une douzaine de cas de plus pour l'ensemble de la Naudière. Par MRC, la MRC de Matawinie compte 15 cas, c'est 6 de moins. MRC de Montcalm, 74 cas, c'est 8 de plus. La MRC des Moulins, 176 cas, 11 de plus. MRC de l'Assomption, 170 cas, c'est quand même 7 de moins. MRC de Joliette, on parle de 26 cas, et c'est le même nombre qu'hier. Et la MRC de Daudré compte 6 cas de plus. On est rendu maintenant à 29 cas en ce 15 avril. Donc, il y a une légère hausse, mais c'est encore quand même assez... La courbe monte, mais quand même assez lentement. On passe maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Thank you.
ce 15 avril, donc aucun décès supplémentaire à mentionner. On va maintenant passer à la météo. Alors, bonjour tout le monde. Donc, c'est moi, Xavier, aujourd'hui pour la météo. Je l'ai fait à l'intérieur aujourd'hui parce qu'il pleut beaucoup et c'est ce que je vais vous annoncer à l'instant. Donc, aujourd'hui, on a une température de 14 degrés avec un ressenti de 13, avec de la pluie et même, je pourrais vous dire, de la pluie parfois forte. Donc, faites attention, c'est nuageux, il y a beaucoup de pluie. Il y a même peut-être des risques d'orage, donc faites attention à ce niveau-là. Néanmoins, en soirée, les risques vont être diminués. Ça va être de la pluie simplement, pas de la forte pluie, mais de la pluie normale, avec une température de 10 degrés avec un ressenti de 8. Pour cette nuit, on parle d'une température de 5 degrés avec un ressenti de 3 et ça va être de la faible pluie. Pour maintenant et ce soir, les probabilités de précipitation étaient à 90% et on le remarque, là, c'est vraiment très pluvieux. Mais cette nuit, les probabilités vont redescendre à 70%, donc peut-être il y a des chances que la pluie va cesser cette nuit. Néanmoins, je peux vous assurer que la pluie va se continuer malheureusement. Demain matin, il annonce quelques petites averses, c'est nuageux. On parle d'une température de 5 degrés avec un ressenti de 4. Et demain après-midi, on parle d'une température de 8 degrés avec un ressenti de 4. Donc, les températures sont plus froides à cause de la pluie parce que demain après-midi, ça va être encore nuageux avec averses, ce qui va se poursuivre dans la nuit de demain. Donc, merci beaucoup. C'était la météo. Et avant de vous quitter, je veux vous rappeler que la qualité de l'air est bonne. Le niveau de UV est bas étant donné les gros nuages pluvieux qu'on a. Et pour le pollen, c'est très élevé. Alors là, il va falloir faire attention. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumaire au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain, vendredi, pour le prochain bulletin d'information. Au plaisir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.